Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite revue de quelques thés que j'ai découverts récemment. Vous m'avez reposé la question, ou en tout cas resuggéré de faire des vidéos sur ces sujets, puisque je suis une très grande consommatrice de thé et d'infusion. Et c'est vrai que pour le coup, des fois je fais des super chouettes découvertes et j'avoue, j'oublie de vous en parler, je passe à autre chose et je trouve que c'est hyper sympa. D'ailleurs, vous m'aviez remis cette suggestion sur ma page Facebook, j'ai créé un petit post, n'hésitez pas, je le laisse actif. Si vous avez d'autres interrogations, etc., n'hésitez pas à me laisser un petit mot en dessous. Alors là, je vais vous montrer quelques petites découvertes du moment, des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées. Ça va être l'occasion aussi de goûter avec vous. Je vais essayer à chaque fois d'en goûter un avec vous. Et le crash test du jour, ça sera le thé de Noël de Love Organic que je viens tout juste de recevoir. Donc je ne l'ai même pas ouvert, hein, c'est vous dire. J'ai préparé mon eau chaude pour faire un test en temps réel. D'ailleurs, pour que ce test soit bien fait en temps réel, j'ai préparé du chocolat. Donc du coup voilà, j'ai mon eau bouillante qui est à côté, donc celui-ci c'est celui que je vais goûter en dernier le temps qu'il infuse. Par contre voilà, je voulais découvrir avec vous même tout ce qui est arôme lorsqu'on le sent. Ah, alors ils sont toujours très beaux les thés chez Love Organic, c'est vraiment hyper joli. Oula, ça sent un peu l'amande ou la vanille, un truc comme ça. Ah, c'est hyper joli, je trouve que c'est très qualitatif. Ah ouais. Alors... moi je sens une petite amertume, peut-être genre un truc à l'orange, quelque chose comme ça. Par contre il y a une forte odeur d'amande. Ah, il y a autre chose que j'ai du mal à reconnaître. Oh, c'est marrant, on voit des raisins. Je crois qu'il y a genre des cranberries, je pense qu'il y a des pétales d'hibiscus. Ça je sais pas ce que c'est. Je vous remontre. C'est surprenant. Il y a... alors... je me souviens plus de la composition, hein. Donc je pense qu'il n'y a pas de thé parce que je vois pas de feuilles. Je pense que là, l'infusion c'est surtout de l'hibiscus parce qu'on a ces feuilles très roses qu'on reconnaît bien. Bon, voilà ce que je reconnais. Alors sinon, au niveau de Love Organic, donc j'ai quelques thés de chez eux. Donc là, j'en ai reçu deux nouveaux. Alors à la base, moi je n'en consommais pas spécialement, mais mon mari aime énormément Kusmi Tea et cette même marque distribue aussi des thés biologiques, donc ils sont labellisés bio, donc c'est la même enseigne, hein. Et c'est vrai que pour le coup, je préfère qu'ils se dirigent vers un thé bio et donc voilà, c'est le bon compromis, ils sont accessibles dans beaucoup de boutiques, après ça reste une chaîne, mais je trouve que pour le coup, il y a le côté qualitatif qui est quand même très intéressant, voilà, ils ont une très jolie apparence, l'infusion a aussi une très jolie apparence, donc c'est un thé qu'on peut tout à fait offrir, je trouve que c'est très joli, ça donne envie, et puis surtout, ils ne négligent pas le côté parfum, et le côté gourmand. Et je trouve que c'est un thé qui est particulièrement intéressant pour les gens qui essayent de changer un peu leurs habitudes de consommation d'infusion, qui sont sur des thés Lipton, saveur tarte au citron meringuée, voilà. C'est pas facile lorsqu'on part vers des infusions naturelles, sans forcément des arômes ajoutés, etc. On va dire que ça, c'est le bon compromis, ils sont un petit peu au milieu, et ça permet de faire une transition un petit peu plus agréable. Alors, on découvre la composition. Alors... cannelle, ah ouais, cannelle maintenant, raisin, hibiscus, écorce de citron, ah c'était ça qu'on voyait, d'accord, ok, cassis, cardamome, réglisse, ah et arôme d'amande, cannelle et cassis. Alors justement, pour le coup, je trouve que c'est quelque chose parfois qui me dérange chez eux, c'est qu'ils ont un peu la main lourde sur les arômes. Bon, moi, ça fait extrêmement longtemps que je consomme des infusions et du thé. Avec le temps, j'aime de moins en moins avoir des arômes, qu'ils soient naturels ou pas. Je trouve que... ça dénature un peu le goût des feuilles et des fleurs qui ont été choisies, ou des fruits. J'en consomme quand même, hein, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'aime qu'il y en ait de moins en moins pour vraiment apprécier les saveurs. Et chez eux, ils ont tendance à avoir la main lourde sur les arômes. Et là, vous voyez, la première chose que j'ai sentie, c'est l'arôme d'amande. Et en plus, ici, il n'est même pas naturel. Bon. Ceci dit, tout le reste a le petit astérix, donc c'est bio. Je n'ai pas du tout senti le parfum de réglisse. Mais voilà, en tout cas c'est très joli, ça me donne envie d'y goûter. Donc j'ai préparé mon infusion, qui est toute chaude. Vous voyez pas la fumée, mais c'est hyper chaud. Donc j'ai mis mon petit infuseur à l'intérieur, donc on va tester ça. Par contre c'est hyper joli je trouve. Oh, ils sont forts pour ça quand même, hein. Je trouve vraiment qu'ils sont forts. Alors moi il y a cet arôme d'amande qui m'envahit un peu, mais des fois c'est plus à l'ouverture de la boîte. Et puis après, quand on le goûte, c'est un petit peu différent. Donc, je vais le laisser infuser et puis je vous en reparle juste après. Alors, je vais commencer par vous parler d'un thé des Jardins de Gaïa qui est l'une de mes infusions, enfin l'un de mes thés favoris. C'est mon ami qui me l'avait offert il y a un an, je pense. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, c'est une édition de fête, mais je pense qu'elle existe toujours, sauf erreur de ma part. J'aime beaucoup, beaucoup les Jardins de Gaïa. Ce sont des infusions qui sont biologiques, mais aussi fair trade, donc pour tout le côté équitable. J'aime vraiment beaucoup. Il y a de chez eux une infusion, enfin, ouais, là c'est une infusion que j'aime beaucoup, qui malheureusement n'est disponible qu'en infusette. Je vous en avais parlé sur les réseaux. Elle est à base d'anis. Alors, on sent ce que c'est bon. Ça sent divinement bon. L'anis, c'est exceptionnel. La saveur de l'anis est exceptionnelle. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, ça fait partie de la collection des infusions ayurvédiques. Si un jour il la sort en vrac, je la prends. Donc, mon amie m'avait pris ça et pour être tout à fait franche, lorsqu'elle me l'avait offert, je me suis dit, aïe, elle m'a pris un rooibos à l'orange. Et c'est vrai que tout ce qui est très orangé, c'est pas trop mon truc, tout ce qui est agrumes. Moi, j'ai tendance à préférer toutes les saveurs chaudes et épicées. Et au final, aujourd'hui, ça fait partie de mes thés favoris. Alors, dans la composition, on a du rooibos, des écorces d'orange, morceaux de pommes, hibiscus, cynorondon, amandes, épices de cannelle, gingembre, clou de girofle, arômes naturels d'orange douce, pommes, fraises, amandes, cannelle. Donc, c'est un produit qui est bio. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette marque-ci qui est très, très bien représentée en boutique bio. Quand vous l'ouvrez, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, donc vous avez votre thé. Donc, moi, j'ai déjà bien consommé. Et on voit très, très bien le rooibos. Donc, le rooibos est un petit peu rouge marron. En général, c'est très 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 fin et donc c'est un thé qui ne contient naturellement pas de théine, donc j'en consomme très volontiers. Voilà, je fais quand même attention à ma consommation de théine pour voilà, pas être trop nerveuse, etc. Et je consomme énormément de rooibos. Je le consomme aussi parce que j'aime sa saveur. La saveur du rooibos est naturellement douce et c'est assez parfumé, ce qui fait que le rooibos se suffit à lui-même. Le rooibos, c'est une très bonne alternative qui est vraiment très 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 douce, un peu comme le Honeybush dont je vous parlais récemment. Alors ici, dans cette infusion, je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle est tout à fait adaptée à la saison. Vous voyez, les fêtes de fin d'année, ce parfum de l'orange, c'est hyper agréable. On ressent bien l'orange et ça apporte quelque chose encore de plus chaleureux. D'ailleurs, je la propose souvent en fin de repas à mes invités. Voilà, je fais une théière de ça et en général, ils apprécient. Même si on peut avoir quelques a priori sur l'orange, ça reste vraiment très 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 doux. J'aime vraiment beaucoup. C'est plus doux même que ce qu'on pourrait sentir au nez. Je le trouve vraiment très très agréable. On a même des petits bouts d'écorce. Même visuellement, voilà, je trouve qu'il est vraiment qualitatif. Je le trouve vraiment très très joli. Et puis la boîte est magnifique. La seule chose que j'aimerais, c'est peut-être pouvoir les recharger comme on pourrait avoir dans les salons de thé, vous voyez, où ils ont des grosses boîtes et ils nous rechargent au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est possible chez eux. En tout cas, ça fait partie de mes coups de cœur. D'ailleurs, je le finis, il est sur la fin, à mon grand regret. Mais ça, c'est une très très chouette découverte si vous aimez tout ce qui est saveur d'agrumes, notamment pour les fêtes de fin d'année. Ensuite, je vais vous parler d'un autre rooibos, voilà, comme quoi j'en consomme vraiment beaucoup. Je vais vous parler du Zoulou Digest, toujours des Jardins de Gaïa. Donc celui-ci, je l'avais acheté dans un petit sachet qui est recyclable. Donc ici, c'est un thé que j'avais choisi notamment pour ses propriétés digestives. Voilà, c'était écrit épices digestives à l'intérieur. Voilà, je vous dis, je fais la colopathie, etc. Donc j'essaie toujours d'apaiser mes intestins de manière générale. Et aussi parce qu'on n'a pas d'arôme dans celui-ci, ni naturel ni synthétique. On a du rooibos, de l'anis, du fenouil, du cumin et de la coriandre et c'est tout. Alors justement, quand on n'a pas d'arôme ajouté, on peut facilement trouver ça plus fade, notamment si dedans on n'a pas de réglisse par exemple, parce que la saveur de réglisse est quand même assez prononcée, donc souvent ça rehausse énormément un thé ou une infusion. Donc là ici c'est beaucoup beaucoup plus doux, c'est vrai que si vous êtes en transition, laissez tomber, ça vous semblera sans doute beaucoup, enfin pas assez parfumé, c'est quasiment sûr. Quand on n'a pas l'habitude, on peut facilement trouver ça fade et avoir envie ou besoin d'ajouter du sucre. C'est souvent sur ce genre d'infusion. Alors bon, on a une apparence qui s'en rapproche, évidemment, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais on voit bien les épices. Ah, j'essaierai de vous mettre un petit close-up dans la vidéo. En tout cas, il est hyper agréable. Donc il est effectivement très 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 doux. Voilà, on sent quand même les parfums. Moi, je reconnais très très bien le fenouil, par exemple, mais ça reste extrêmement doux. Voilà, c'est vraiment un thé digestif pour le coup. Voilà, pour le soir, j'apprécie de le consommer après un repas. Ça me fait beaucoup de bien. Bon, encore une fois, c'est pas magique, mais je le trouve hyper agréable et je le pense aussi de très bonne qualité. Et puis, je vais terminer donc avec les deux thés Love Organic que j'ai reçus gratuitement via Octoly. Donc, le premier que j'ai reçu, c'est le Lovely Night, qui est une infusion bio pour le soir. Donc, dans la composition, on retrouve du honeybush, rooibos, cannelle, tilleul, réglisse, camomille, verveine. Jusque-là, j'étais absolument ravie. Et il rajoute un arôme naturel de poire. Ça m'avait beaucoup intriguée et même quand j'ai lu comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là cet arôme de poire? Bon, le reste m'intéressait beaucoup, le reste de la composition voilà, me convient plutôt bien. Du coup, voilà à quoi il ressemble, il est vraiment très très beau, encore une fois. C'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment hyper hyper sympa. Et alors quand je le sens, c'est pareil, je ne sens que l'arôme. J'ai l'arôme de poire là qui me monte au nez, c'est hyper désagréable. Et donc je l'ai goûté et pour la première fois, ça n'arrive pas souvent, je n'aime absolument pas l'infusion. C'est-à-dire que quand je le bois, j'ai l'impression qu'il y a effectivement cet arôme de poire qui n'a rien à faire là. Il n'a rien à voir avec le reste. Je trouve que c'est une alliance pour le coup qui est un petit peu ratée. Mais je pense que ça pourrait convenir encore une fois à ces gens qui aiment énormément les thés vendus en grande surface comme Lipton et compagnie. Voilà, je vous disais tout à l'heure tarte au citron, mais je crois qu'il y a un truc qui s'appelle poire chocolat ou quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait vous plaire parce que ça peut permettre justement de faire la transition avec des arômes très prononcés. Là, vous voyez, pour moi, c'est trop parce que cet arôme ajouté de poire prend le dessus sur le reste. Je n'arrive même pas à apprécier le reste. C'est vraiment, vraiment trop fort. C'est dommage parce que voilà, la boîte est toute jolie. J'aime vraiment beaucoup les boîtes de la marque. Et de tout ce que j'ai goûté, je pense que c'est celle que j'aime le moins à ce jour. L'une de mes préférées, c'est une dont je vous avais parlé précédemment en même temps. Je n'ai que ces trois-là. C'est Run for Love. Bah, vous voyez, pour le coup, j'adore. Je reconnais très bien les saveurs. Je le bois toujours très, très volontiers. J'aime vraiment beaucoup. Mais alors celui-ci, je n'aime absolument pas. Je pense que c'est mon mari qui va le boire parce que lui, il aime beaucoup les arômes de poire. Mais au-delà du fait d'aimer ou pas, je regrette de ne pas pouvoir ressentir le rooibos, la cannelle, la camomille. Bon, camomille, c'est pas non plus un arôme très, très fort. Mais voilà, même là, quand je le ressens, je n'arrive pas à sentir grand chose. Alors des fois, il faut le laisser un peu ouvert pour que ça s'évapore, mais... Ah si. J'arrive un petit peu à sentir le rooibos. Mais c'est vraiment très très léger. Donc pour le coup, ça pour moi, c'est un flop. Si vous l'avez goûté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous, parce que c'est vrai que ça reste quand même très très personnel. Donc voilà, si vous avez eu l'occasion d'y goûter, que ce soit en magasin ou chez vous, dites-moi ce que vous en pensez, je vous lirai avec plaisir. Alors, donc là, ça fait un certain moment que j'ai laissé infuser, donc on va pouvoir goûter. Alors, voyons voir. On sent toujours très très fort l'amande, mais on sent un peu plus les épices, des épices que tout à l'heure j'avais du mal à deviner, je les sens davantage. Mais on sent toujours très très fort l'amande. Bon, on va goûter. C'est chaud. Je pense que je vais attendre juste encore une minute parce que c'est vraiment très chaud. Et en attendant, je vais vous parler d'une dernière chose dont je vous ai parlé sur les réseaux sociaux. J'ai reçu une théière nomade de la marque Quetsch. Et c'est marrant parce que j'en avais acheté une à mon ami il y a quelques temps. Bref, donc du coup, voilà, je l'ai utilisée et moi, vous m'aviez demandé mon avis. Donc j'avais besoin de l'utiliser un petit peu plus pour pouvoir vous en parler. Donc moi, j'ai choisi celle à double paroi en verre avec le bouchon en bois. Je la trouve vraiment très très esthétique, je la trouve très jolie, très élégante, elle se lave très très bien. Donc on a un infuseur à l'intérieur pour les infusions minutes et aussi on a là celui-ci tout petit pour les infusions permanentes, donc notamment pour mettre des fruits ou laisser une infusion dedans, donc on la met au fond et on bloque avec ça, ce qui permet de boire ensuite. Donc j'ai utilisé les deux. Alors au niveau de la double paroi, j'étais hyper impressionnée. D'ailleurs, je vous invite à la prudence parce que c'est un petit peu traître. Ça fonctionne extrêmement bien. Ce qui fait que quand vous saisissez votre théière, vous avez l'impression que le liquide est tiède alors qu'il est bouillant à l'intérieur. Soyez vraiment vigilants. Je me suis brûlée, évidemment. Ça fonctionne très bien. Ça garde très 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 bien la chaleur. Je vous assure que je suis très surprise. Ensuite, au niveau de l'infuseur, bon, très bien. Voilà, il y a des... Les trous sont suffisamment petits, je trouve que c'est bien, ils se lavent bien, c'est tout à fait correct. Le petit aussi fonctionne bien. Et j'avais aussi une appréhension, c'était sur la manière dont ça allait se caler. Et en fait, ça se bloque très très bien. Ça fonctionne très bien les deux. J'ai aucun problème avec. En fait, on a des petits picots sur le côté qui se calent et ça ne bouge plus. Ça, c'est très très bien aussi. Ça ne me semble pas trop fragile. En fait, c'est quand même un verre assez épais. Maintenant, je ne l'ai jamais fait tomber. On verra bien. Mais c'est quand même très très solide. On l'entend, vous voyez, le bruit quand même assez sourd. Donc, je pense que c'est plutôt résistant. Ce que j'ai moins aimé, c'est la taille du goulot. Lorsque je bois, bon voilà, c'est nomade, donc on part du principe que je suis en extérieur, que je suis en mouvement. Pour boire, c'est pas toujours simple. C'est vraiment un très très gros goulot. C'est dommage qu'on puisse pas adapter quelque chose au-dessus pour avoir un plus petit goulot. Voilà, c'est un petit peu gros pour moi. Voilà, c'est la plus grosse critique que je pourrais faire sur le produit, c'est la taille du goulot. Si peut-être on pouvait adapter quelque chose, je ne sais pas. Par contre, je dois dire que la théière est plutôt bien pensée, même si elle ne me semble pas assez pratique. Elle est surtout très efficace et puis je la trouve hyper élégante. Alors, on va tester le thé. Ça est bien gonflé. C'est sympa de voir des fruits entiers. Par contre, j'avais l'impression de voir des cranberries et des raisins, mais je crois qu'il n'y a pas de cranberries, je crois qu'il n'y a que des raisins. Que j'ai vu alors. Ah, cassis. C'est ça. Alors donc, mon thé est légèrement rose, voire beaucoup rose, ce qui est tout à fait normal puisque l'infusion d'hibiscus libère beaucoup de couleurs. D'ailleurs, si on fait une infusion d'hibiscus, je ne sais pas si vous en avez déjà consommé, mais ça produit presque une encre. C'est incroyable, comme c'est opaque et profond, c'est magnifique. Par contre, l'hibiscus, c'est quand même très acide, donc voilà, il faut vraiment aimer l'acidité pour pouvoir en boire comme ça pur. Alors au goût, c'est assez acide, justement on ressent l'hibiscus. Moi je suis un peu gênée par les arômes encore. On a quelque chose de sucré, je pense que c'est un réglisse. C'est bon, c'est acide, c'est très chaud, ça fait vraiment thé de Noël, pour le coup ils sont vraiment dans le thème. Par contre, moi, encore une fois, je suis gênée par les arômes. Et là, c'est l'arôme d'amande qui m'embête. C'est dommage parce que je trouve que c'est assez sympa, l'association hibiscus-citron avec cannelle et cassis. Mais voilà, pour moi, c'est sans plus. Voilà. Je suis vraiment désolée. Pour le coup, c'est deux mauvaises découvertes chez eux. Mais voilà, j'en ai testé d'autres chez eux que j'ai énormément aimé, notamment dans le petit assortiment que je vous avais montré pendant les vacances. Il y en avait un, bah justement, je crois qu'il y en avait un au fenouil que j'avais adoré. Bon, là, j'aime un petit peu moins. Par contre, ça va sans doute ravir mes invités au moment de Noël, je pense. En tout cas, voilà en gros mes petites découvertes du moment. Je vais essayer de faire ce genre de vidéos régulièrement si ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos avis en dessous. Le but, c'est vraiment d'échanger, peut-être de se conseiller des bonnes infusions ou des bons thés à découvrir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et regardé. Je vous dis à bientôt. Bye.